Ok, merci Renaud, retour au micro. Oui, affirmative, écoutez, moi je viens juste d'allumer, là il y a à peine 10 minutes. Je vous ai entendu, c'est pas possible que ça passe aussi fort qu'il y ait une ouverture de propagation comme ça. Vu que ça fait des semaines qu'on n'entendait plus rien, bon, j'ai allumé que maintenant, hein, voilà. Enfin, c'est bien heureux d'écouter quelque chose enfin, hein, chie. Oui, je me trouve sur le département 46, comme je vous disais, à 20 km de la ville de Sarlat, que certainement vous avez dû entendre parler, et à, disons, à 10 km au sud de la ville de Gourdon, dans le 46, voilà, pour info, là. Voilà mon QTH exact. Retour à vous, Renaud. Oui, affirmatif. Mais écoutez, vous avez ici, ici il pleut, hein. Il pleut depuis, pour ainsi dire, toute la nuit. Ce matin, cet après-midi, il n'arrête pas de pleuvoir. Hein. Voilà. Hier, il y a eu un beau soleil, il faisait chaud. Mais bon, oui, mais en ce moment, les températures sont un peu bizarres. Hein, voilà, parce qu'on est passé de canicule, de la canicule à 40 degrés. On est dans la chutée, on a perdu 20 degrés d'un coup. Et là, on est en train de descendre encore un peu plus bas. Bon, pour le mois de septembre, c'est pas normal. Hein, voilà. Je crois que il y a un réchauffement climatique quelque part. Il ne veut pas le dire, mais enfin je le pense, voilà, parce que c'est pas normal. La petite saison, hein, voilà. Au principe, moi, septembre, il fait des bombes, mais là, bon, on a eu un mois de septembre pourri, hein, voilà. Je pourrais pas dire qu'il y a eu tous les jours de la pluie, mais presque, hein, voilà. Oui, les conditions d'amusement ici, là, je ne sais pas si je vous les ai dites. Hein. Alors, c'est un Yazoo ST840 avec son micro d'origine. Et une simple antenne verticale Sigma Charlie Lima Romeo 2 là pour les conditions là, voilà, et la puissance du transceiver. Voilà, Renaud, retour à vous. Ok, merci de retour, ouais, mais vous c'est pareil, il y a 59 plus 10 dB, voire ça prend les 20 dB, voilà. Oui, moi la directive j'en ai une aussi, mais bon je ne l'ai pas mise, parce que bon il a fait du vent là hier, et bon moi je suis assez maniaque, j'ai peur que ça se casse, alors bon je la mets, quand je vois que le temps va être à peu près correct, je la mets, bon mais j'ai pas aussi gros que vous, hein, voilà, j'ai une dipole, un élément directionnel, que je mets de temps à autre, hein, voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir les photos là sur mon. Je ne sais pas si vous avez internet. Vous pouvez voir les photos là de mon antenne directionnelle sur mon site personnel. Vous tapez 14 Sugar Delta 446 et vous allez trouver mon site web personnel. Voilà, la page Jumbo. Ok, pour les connus, oui, Icom avait très bon matériel. Voilà, j'en ai un aussi Icom, mais bon, un peu plus petit que vous. Hein, voilà, j'ai l'Icom 718. Hein, voilà. Mais j'aime bien utiliser le Yazoo. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, bon, je sais pas, il me semble que l'audio est meilleur. Pourtant, l'autre, l'ICOM, je lui ai greffé un filtre dessus, là, un Dacton, je ne sais pas si vous connaissez, le FL2. Mais en fait, bon, je ne sais pas, bon, c'est une manie que j'ai peut-être, bon, j'aime mieux l'audio du Yazoo, bon, quoique l'audio du ICOM c'est pareil, mais bon, c'est une manie que j'ai. Allez, je retourne le micro, cher ami. 14 Sugar Delta 446 pour le QSO, 14 Victor Lima 5039.
venu au jour, il n'y a pas de problème, ouais. Et bien, on est bien content d'avoir un petit peu de propagation, hein, parce que c'est vrai que comme je le dis depuis tout à l'heure, avec pas mal de stations, il est fait.